Where the four winds blow, and it's 5 miles wide, where a six-gun rules and a man can't hide. A man can play, and a man can win. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. There's a man who waits over yonder hill, and when he shoots to kill. But he don't know that Lucky Luke will ride again. Lucky six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Cet homme, c'est Lucky Luke. Il tire plus vite que son nom. C'est le tireur le plus rapide de l'Ouest. Vous êtes de retour, shérif. Eh oui. C'est moi qui devais gagner. Non, c'était moi qui devais gagner. Regarde, c'était ça. C'était moi qui devais gagner. Luc, tu sais quoi? Est-ce que tu connais le train fantôme? L'histoire. Je ne crois pas au fantôme. Mais cette histoire est vraie. Et ce train a coulé sur un pont là-bas, lors d'une tempête. Et maintenant, il est de retour. Est-ce que tu l'as vu, le fantôme? Oui, je l'ai vu, ce train. T'as entendu ça? Il a vu un fantôme. Oui, je l'ai vu la nuit, là-bas. C'était énorme, gigantesque. Il y avait plein de traces de poussière. Et les rails, ils étaient encore là, tout rouillés. C'était Et le incroyable. Train passait encore dessus? Oui. Ça m'étonnerait. Mais c'est vrai, Luc. Si tu ne me crois pas, laisse tomber. D'accord, très bien. Je ne crois pas, fantôme. Je vais retourner au bureau et je vais nettoyer mon bureau parce que ça fait longtemps. On verra ça plus tard. D'accord? Ce train fantôme.
Je veux ton meilleur whisky. Je vous arrête, Ben le Berry. Lucky Luke. Tu as attaqué une banque. Tu as rien à dire, Lucky Luke. Maintenant, je suis en liberté. J'ai le droit de voler en liberté. Tiens, c'est écrit ici. Monsieur Ben le Berry, il a un handicap mental. Il est obligé de voler des banques parce qu'il a que l'argent dans la tête. Il ne peut pas vivre sans l'argent. Et il a besoin de grandes fortunes. La banque de Desidon est obligée de lui donner de l'argent. Eh bien. Mais tu n'as pas le droit. Désolé, je t'arrête. Je ne crois pas à ça. Oh. Allons faire un petit tour dehors. On va voir qui est le plus fort. La nuit, ce train passe par ici. Je pourrais emmener ce monstre au ferrail à des étonnes, mais malheureusement, c'est trop lourd. Billy, c'était bien ici que tu as vu ce train fantôme? Oui, je l'ai vu passer, il a fait tout le tour là-bas. C'est pas ici. Alors. D'accord, je vous ai emmené juste ici pour vous montrer des morceaux de ferraille de train. Oui, ces ferrailles appartenaient bien au train. Oui. Eh bien, on rentre à des étonnes. Luc, Billy vient de disparaître. Comment? Il a dû aller voir le train fantôme. Allons voir. D'accord, mais toi tu restes ici. Non, emmène-moi avec toi, parce que sinon le train fantôme va venir me chercher. Tu ne bouges pas d'ici, je vais y aller tout seul. D'accord. Solide point fantôme. Luc? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais pourquoi vous avez fait ça? Ben, en fait, on avait fait ça pour Ben le Berry. C'est lui qui a démonté le frein du train. D'accord, mais demain, soit il sera jugé de toute façon. Parce que tout à l'heure, il a attaqué la banque. D'accord, mais pendant le jugement, j'aimerais qu'on le fait peur avec le bruit du train, comme si que c'est lui qui a évoqué les fantômes du train. D'accord, très bien. Maintenant, entrons, parce que c'est pas prudent de rester la nuit tous les deux tout seuls. Vous êtes pas armés.
et Bli, respire ça. Ça fait du bien. Ah oui, hein. Eh bien, le jugement va commencer. J'ai une idée. Quand Ben arrive, ce qu'on va faire, on va faire comme si on a entendu un bruit. Et ensuite, là, on va nous mettre juste derrière cette salle. Et on va faire. On va appeler Ben et on va dire. Voilà, on va faire comme des fantômes. Comme ça, il aura. Voilà, il arrive. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, t'as des foutres à tout. Au secours! Bonsoir. Asseyez-vous. Alors, pourquoi avez-vous fait cela? Eh ben, en fait, le propriétaire de ce train, c'était mon pire ennemi. Et j'ai déraillé le train pour qu'il coule. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, monsieur le juge, j'aimerais bien qu'on le condamne 10 ans de prison. Bien, je suis d'accord avec vous, monsieur Lucky Luke. Il mérite 10 ans de prison. 10 ans de prison, monsieur Ben. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends des bruits. Silence! Expliquez-moi, pourquoi vous avez fait cela? Tu vas nous expliquer maintenant pourquoi tu as fait ça. Je vous ai déjà dit, c'est mon pire ennemi. Ah bon? Et c'était quoi? Mais qu'est-ce que tu entends encore? Hein? Mais qu'est-ce que vous me racontez? C'est des bruits. Je trains. Maintenant, arrête tes conneries, monsieur. Tu as compris? Tu es condamné pendant 10 ans de prison. Ok? C'est fini. Arrête tes conneries. Il n'y a rien. Les fantômes, ça n'existe pas. Ah, dépêche-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je n'ai rien fait. Mais, s'il vous plaît, mettez-moi en prison. Faites quelque chose. Arrêtez-moi. Vous êtes condamné en 10 ans de prison. Vous êtes en prison. Je vous mets en prison. Merci. Mets-le en prison. Il a même demandé au juge de le mettre en prison. Lui-même, il a demandé. Oui, il avait peur du train fantôme. Bravo. Ah, vous avez été formidable. Oui, mais attention. Il y a le train juste derrière toi. Où ça? En tout cas, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Yeah. Of all the lonesome cowboys in the West, I figure I've gotta be the lonesome man. I wanna ride the range where there's lots of elbow room. Yellow wind blow free, it smell the sagebrush bloom.